Bonjour, aujourd'hui je vous présente le site Pictoland, site pour apprendre des langues. Pictoland est un service en ligne qui propose plusieurs activités ludiques pour apprendre une langue à partir d'images. Elle s'appuie sur une base de données d'images sous licence libre, qui propose plusieurs milliers d'images légendées en 13 langues pour illustrer vos leçons de langue. Elles ont été choisies pour leur qualité d'évolution. Pictalog propose un exemple de jeu. Visual World Training. Ah, voyons voir ça. On choisit sa langue. Alors, on ne peut pas choisir l'anglais, mais on choisit à partir du français. Français, catégorie, on choisit sa catégorie, closing, subdivision, main closing, woman closing, continue. Les sandales, ouais, ça permet d'apprendre les noms. Sandales, le chancier sans manche. C'est un peu trop compliqué ces mots. Chan, sleeveless, blouse, handbag. Sac à main, chemisier à dentelle, le slip, underpants, la bague, ring, ouais, la gaine, gold. Pas forcément hiérarchisé, hein. Les mots ne sont pas par leur... Les mots ne sont pas forcément hiérarchisés par leur ordre d'importance. Deuxième jeu, Picture Match Game. Test your language and culture. Culture. Donc, on part du français, catégorie où sommes, ouais. Learning game data. Appareil de chauffage, bah ouais, bah, c'est en français. Hein. Comme ça, on ne peut pas apprendre l'anglais avec ce jeu-là. Appareil de chauffage, suffit. Ouais, gagné. Bon, l'image devrait changer automatiquement. Le crochet, c'est celui-là. Bon, avec ce jeu-là, on ne peut pas apprendre l'anglais. Italien. Food, ah bah c'est limité, quand même. Alors, en fonction des langues, c'est limité. Food and drink. Il pian minimo con salam. Salam, c'est jambon. C'est celui-là. Panini, bah oui, panino, panini. Panini. Il vino, c'est le vin, ça. Ah, on apprend la mozzarella, mozzarella. Ah, ça, on connaît. Hein. C'est celui-là. Ouais, non, c'est celui-là. Ouais, bah, les images sont pas vides. La pasta fresca. La pâte fraîche, quoi, c'est celui-là. Ah, oh, bah, Dieu. C'est ravioli, ouais, d'accord. Formaggi, formaggi. Non, peut-être pas. Ouais, troisième jeu, World Match Game, test your language and culture skill. Nord-Canadien, Canadien, Nord-American, c'est peut-être de l'anglais ça. City Live, ah, on peut apprendre l'anglais en choisissant le Nord-American. C'est son World Match Game. Stop, il doit y avoir un truc de stop. Do not walk in, c'est celui-là. Do not talk in. Ah oui, c'est des World Match. Cheese. Chess game, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est amusant. C'est intéressant. Fontaine, ouais, Fontaine. Ouais, intéressant. Très amusant. Analyse game, test visual.